Bonsoir à tous, bienvenue à la conférence inaugurale de l'exposition Picasso et la bande dessinée. On a pris le parti de faire cette conférence en ligne et filmée, comme vous le voyez, étant donné les circonstances sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir. Je suis Johan Poplar, je suis conservateur au Musée National Picasso Paris et co-commissaire de l'exposition Picasso et la bande dessinée. Et je suis avec Vincent Bernière, qui est l'autre co-commissaire de l'exposition. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, on a eu cette idée avec Johan d'explorer les liens entre Picasso et la bande dessinée grâce à une petite publication. Bon, c'était des sujets qui nous trottaient dans la tête, mais une petite publication qui vient bizarrement des États-Unis et qui s'appelle Arf Museum. Alors, c'est un fascicule qui a connu trois numéros d'un auteur, critique et éditeur de bande dessinée américain un peu bizarroïde, mais enfin, il s'appelle Craig Yeo. Et lui, ce qu'il aime, c'est envisager les rapports entre l'art moderne et la bande dessinée. Donc, dans le numéro 3 de Arf Museum, il y avait une grosse section sur Picasso, cartooniste, dessinateur de presse, Picasso, auteur de bande dessinée. Picasso est un personnage de bande dessinée. Enfin bon, il avait comme ça toute une séquence avec une large part dédiée à Songes et mensonges de Franco qui est présentée dans l'exposition. Et c'est ce qui, finalement, nous a donné l'idée de développer ces passerelles a posteriori entre Picasso et la bande dessinée. Oui, l'idée qu'il y avait un lien entre Picasso et la bande dessinée, d'une certaine manière, on ne l'a pas inventé, comme tu l'as rappelé. Néanmoins, c'est la première exposition qui essaye de creuser cette question et de déterminer les enjeux en fait, de ce rapport et de ces relations multiples entre Picasso et la bande dessinée. Donc on l'a fait en suivant trois axes qui nous ont servi de point de départ. Le premier axe, c'est Picasso, auteur de bande dessinée. On a voulu voir ce qu'il en était et on en reparlera dans la suite de la conférence. Le deuxième axe, Picasso aimait la bande dessinée. Oui, et là, on a réussi à réunir un ensemble d'éléments documentaires et de témoignages qui attestent de l'intérêt précoce et tout au long de sa vie de Picasso pour le 9e art. Et enfin, le troisième axe. Ouais, le troisième axe, c'est Picasso est un personnage de bande dessinée. Alors là, c'est vrai que tout au long du 20e siècle, et même de façon assez ancienne, on trouve des biographies de Pablo Picasso, on trouve le personnage de Pablo Picasso un peu en façon artiste ultime dans de nombreuses parodies. Jusqu'à récemment, une biographie en plusieurs volumes de Clément Aubory qui s'appelle Pablo. Donc, ces trois axes, c'est à partir de cela qu'on est parti. Ensuite est venue quand même une salle importante consacrée à Guernica, donc qu'on vous présentera tout à l'heure, et aussi une salle liée à la question du dessin, puisque formellement, esthétiquement, ce qui rejoint, en tout cas la bande dessinée, l'art, la peinture, le dessin, le croquis, c'est cette histoire du trait. Donc, qu'on a décliné, vous verrez, à travers notamment deux séquences de vidéos assez édifiantes. Voilà, on a essayé de tresser les trois axes qu'on vous a brièvement présentés créant des ensembles, mettant en vis-à-vis, en dialogue, des œuvres de Picasso, des dessins, beaucoup, mais aussi des peintures, avec des œuvres de bande dessinée. On a plus de 100 œuvres de bande dessinée, dont une grande partie de planches originales qu'on montre donc dans l'exposition. Et puis, chemin faisant, on a agrandi en quelque sorte l'exposition en s'installant au sous-sol de l'hôtel Salé pour y présenter une série de commandes que le musée a passées à des artistes de bande dessinée pour arriver à ces planches à la dimension du mur. Donc des œuvres murales, et c'est par là que le parcours de l'exposition débute. Ce qu'il faut dire peut-être en préambule, c'est que Picasso n'a jamais publié de bande dessinée. Il faudra s'interroger évidemment sur ce qu'on appelle bande dessinée, et je pense que Vincent, tu nous apporteras quelques éléments de réponse, mais il faut avoir ça en tête. Donc il n'y a pas de publication de bande dessinée, selon un propos
apocryphe de Picasso paru dans François en 66. Il semblerait que ce soit son plus grand regret. Je ne sais pas s'il faut prendre cette phrase au sérieux, mais on a essayé d'aller au-delà et de voir dans quelle mesure Picasso, dans ses dessins, mordait sur le genre et les codes de la bande dessinée, comment il s'en appropriait un certain nombre, comment il dessinait en cases, comment il utilisait des bulles, comment il créait des séquences d'images. Et cette histoire, d'une certaine manière, elle commence assez tôt dans l'œuvre de Picasso. En tout cas, l'histoire qu'on raconte commence assez tôt, autour de 1900, un peu avant, un peu après, entre Barcelone et Paris. On a réuni un ensemble de dessins de cette période-là qui montrent les différentes manières dont Picasso s'est approché de la bande dessinée et parfois de manière tout à fait convaincante. Mais on y reviendra, on a quelques exemples de planches véritables de bande dessinée dans l'œuvre de Picasso. Ouais, tu as raison, Picasso n'a jamais publié de bande dessinée. Par contre, Picasso a publié de nombreux dessins de presse, hein, comme Pasquin, comme Toulouse-Lautrec, comme beaucoup d'artistes de cette époque-là. Il a notamment gagné sa croûte en publiant dans la presse des dessins d'humour qu'il signait d'un pseudonyme. Donc ça, c'est vrai que c'est une partie Picasso illustrateur, Picasso dessinateur, qui était plutôt connu. Maintenant, si on veut être précis, la bande dessinée, en réalité, il n'en existe pas de définition très probante. Si on prend la définition du dictionnaire, par exemple, elle dit quatre fois la même chose. Ce qui est souvent le cas, hein, pour les définitions, elles sont tautologiques. Elles se répètent à force de ne pas vraiment identifier leur sujet. Alors, ce qu'il faut surtout éviter, ce que font beaucoup de gens, c'est d'étendre le champ, je veux dire, à son acception maximale. Les hommes des cavernes sur les grottes ne faisaient pas de la bande dessinée. Les hiéroglyphes égyptiens ne sont pas de la bande dessinée. La tapisserie de Bayeux n'est pas de la bande dessinée. Donc, si on arrive un petit peu à voir ce que n'est pas de la bande dessinée, ensuite, il reste quand même cette question cruciale de qu'est-ce que la bande dessinée ? Bien, alors, dans cette exposition, on verra que des albums de Töpffer, inventeur de la bande dessinée pour les Européens, dessinateur suisse, qui a publié le premier album de la bande dessinée de l'histoire de l'art en 1831. Donc, des albums de Töpffer étaient dans la bibliothèque familiale de Pablo Picasso. Les Américains ne sont pas tout à fait d'accord sur cette définition. Eux, ils prétendent, ils ont prétendu avant nous d'ailleurs, que la bande dessinée, elle naît à la fin du 19e siècle dans les journaux américains avec l'apparition de la bulle. Mais, premier problème en fait, la bulle n'est pas forcément nécessaire à la bande dessinée. Moi, j'ai une définition simplissime de la bande dessinée. C'est deux images séparées par un instant. À partir de là, ma foi, on peut décréter que beaucoup de choses sont de la bande dessinée, mais c'est vrai qu'il y a quand même une notion de trait et de dessin, et éventuellement, comme tu l'as souligné, de publication. Mais un enfant qui dessine des cases, un récit, une histoire, avec un papier, un crayon, en mélangeant un petit peu le texte et le dessin, il fait de la bande dessinée. Un auteur qui fait de la bande dessinée avant que son album soit publié, il fait de la bande dessinée. Donc vous voyez que c'est pas si simple. Rodolf Töpffer, justement, lui, qui est l'inventeur de la bande dessinée et aussi son premier théoricien, lui, n'utilisait pas la bulle. C'est pour ça qu'il y a un petit bisbille entre les Américains et les Français. Mais lui, selon lui, ce qui était très important, et on peut encore en discuter, c'est que le texte se mélange avec le dessin. C'est-à-dire que la citation exacte, je ne l'ai pas mémorisée forcément, mais le texte sans les dessins ne signifierait rien, et les dessins sans le texte, c'est la même chose. Donc là-dessus, on peut dire que Pablo Picasso a fait de la bande dessinée à travers plusieurs exemples que tu connais, Johan. Oui, au-delà de ça, c'est vrai que le rapport entre l'image et le texte est extrêmement important dans l'œuvre de Picasso, au-delà même de la question de la bande dessinée. D'une certaine manière, l'autre exposition qui est en même temps au musée, Picasso Poète, dont on reparlera dans une prochaine conférence inaugurale, pose aussi cette question. Mais là, on a choisi un angle particulier, celui de la bande dessinée, pour regarder ces échanges, ces rapports, ces croisements entre l'image et la lettre. Alors, j'ajoute un point, c'est vrai que quand on a travaillé, on a, dans le corpus de l'œuvre picassienne, laissé de côté, mis un peu en marge, on gardait ça en tête, hein, mais tout le corpus des caricatures
de Picasso. Donc, c'est une autre question. Ça sera peut-être une autre exposition. Voilà. Mais on n'a pas voulu étendre trop la définition que tu rappelais de la bande dessinée pour regarder Picasso caricaturiste, d'autant que ça a déjà été l'objet d'exposition. Donc, on a plusieurs dessins de Picasso qui mettent en mouvement la machine de la bande dessinée qui est en train de se mettre en place à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc on est au début de la bande dessinée moderne et au début de l'œuvre de Picasso. D'une certaine manière, les deux sont contemporains. Et on a différentes variantes, d'une certaine manière. La variante topferrienne dont tu parlais, c'est-à-dire des vignettes avec un texte en dessous, hein, en bandeau, comme dans l'œuvre qu'on a derrière nous. Des planches qui reprennent et utilisent le système de la bande dessinée avec des cases qui s'agencent et s'ajointent et qui créent une histoire, une narration, comme dans Histoire claire et simple de Max Jacob, qui est peut-être l'œuvre la plus BD de l'exposition. Et puis après, on a toute une série d'autres traces de la bande dessinée dans l'œuvre de Picasso, l'utilisation des bulles, des phylactères, on a plusieurs exemples dans l'exposition, et puis peut-être la fabrication aussi de personnages, Apollinaire, Sabartès ou d'autres deviennent chez Picasso des personnages qui obéissent à une sorte de stéréotype graphique qui est aussi un travail, on va dire, qui se met en place au même moment dans la presse illustrée dont tu parles et dans la bande dessinée. Mais ce qui est amusant, c'est que par exemple dans cette œuvre-là, dont 5 vignettes sont parvenues jusqu'à nous au lieu de 6, on se demande qui a la 6e, Picasso est presque dans la bande dessinée réaliste, ce qui est ça quand même est relativement avant-gardiste à son époque. Sinon, c'est vrai, comme tu le dis, il y a des personnages plutôt caricaturaux qui suivent en vérité l'évolution de la bande dessinée à cette époque-là. Le dessin de presse et la bande dessinée tout au long du 19e siècle ont des racines communes, des passerelles. Daumier, Doré, Carandache, tous ces gens ont fait à la fois du dessin de presse et de la bande dessinée, le plus souvent muette. Mais enfin, c'est des rapports quand même qui sont conjoints du fait que la bande dessinée, au départ, c'est de l'humour, c'est de la caricature, ce sont des traits grossis comme l'aîné de Sabartès et le nez de Max Jacob ou la forme de Max Jacob, très caricaturale quand même, qui est dans Histoire claire et simple. Ça, c'est une petite bande dessinée en 8 ou 9 cases si on inclut ou exclut le récitatif. D'ailleurs, Picasso se trompe un peu dans la numérotation des vignettes, mais c'est quand même une petite histoire satirique extraordinaire. Son ami écrivain, il s'en moque, comme il se moque de beaucoup de ses amis, mais il le fait comme ça, aller draguer son éditeur pour obtenir un contrat, puis faire bombance chez Maxime lorsqu'il a réussi, défiler sur les Champs-Élysées, obtenir les palmes académiques. Donc il se sert comme ça du dessin de la caricature pour faire une petite bande dessinée en une page, qui maintenant est publiée, à l'époque ne l'était pas. Coup de chance, elle était au Musée National Picasso Paris. Oui, donc on a fait vraiment des recherches dans le fond des arts graphiques du musée pour faire remonter, on va dire, tout ce corpus et montrer les traces de la bande dessinée. Vous avez aussi les gravures de Songe et mensonge de Franco. Au-delà donc de cet ensemble autour de 1900, c'est vrai qu'on va plus loin et on voit comment dans les années 1930, c'est une œuvre qu'on cite souvent quand on s'intéresse au rapport entre Picasso et la bande dessinée, Songe et mensonge de Franco, une œuvre qui est contemporaine de Guernica, que Picasso commence un peu avant son chef-d'œuvre monumental et qu'il termine un peu après, reprend là aussi le système de cases de la bande dessinée également. Et de séquences, enfin, même si l'histoire est difficilement compréhensible, mais on essaiera de regarder ça. Alors on en sait un peu de cet intérêt de Picasso pour la bande dessinée. On a un ensemble de témoignages et de documents qui nous permettent de nous repérer dans les lectures et les intérêts de Picasso pour la bande dessinée. Peut-être que le principal, hein, celui qui nous a servi de point d'entrée dans cette question, c'est le récit que fait Gertrude Stein dans l'autobiographie d'Alistoclas,
Donc l'ouvrage paraît en 1933 et elle se remémore les premiers moments de sa rencontre avec Picasso. On est autour de 1905-1906 et elle rapporte, hein, c'est une page, c'est pas plus, comment Picasso et sa compagne d'alors Fernande se jetaient littéralement sur les suppléments dominicaux des journaux américains où paraissaient les premiers comics américains qui sont devenus depuis des classiques. Et elle cite en particulier une œuvre, The Katzenjammer Kids, traduit en français par Pim Pam Poum, peut-être que tu en rediras un mot, donc je ne vais pas m'étendre. Donc ça, c'est le premier document, disons. À partir de la correspondance entre Picasso et Gertrude et Léo Stein, on a un certain nombre d'autres indices. Et en particulier, on sait par une lettre de l'été 1906, quand Picasso est à Gozol, que Gertrude Stein lui envoie des Little Jimmy. Donc on a un autre nom, on sait que Picasso lisait Little Jimmy. La correspondance avec les Stein montre que ce rôle d'intermédiaire, cette transmission des journaux américains dure encore quelques années, puisqu'on a une lettre en 1909 où Picasso remercie les Stein de leur envoi de journaux américains, sans être plus précis. Mais on peut imaginer qu'il s'agit des mêmes journaux où paraissaient les comics américains. Donc ça, c'est un premier ensemble, donc assez tôt dans l'œuvre de Picasso, qui montre qu'il y a cet intérêt pour les comics américains. On a d'autres témoignages un peu plus épars, mais on sait par exemple que Max Jacob lui envoyait aussi un illustré de l'époque qui s'intitulait « Les belles images ». Donc on a comme ça quelques pistes qu'on a essayé de tirer. L'autre source principale, c'est celle à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, c'est la bibliothèque de Picasso, dont une partie a fini par arriver dans les archives du musée Picasso, à l'ouverture du musée Picasso en 1985. Et un travail d'inventaire, de récollement, de recherche à l'intérieur de ce fonds, qui est un fonds gigantesque, hein, plus de 6000 objets y figurent, a permis de faire remonter, disons, ou d'inventer, si on prend le vocabulaire archéologique, un certain nombre d'œuvres, d'albums, de revues, de livres qui montrent que Picasso a eu autour de lui, alors est-ce qu'il en était le lecteur premier principal, c'est une des questions, mais autour de lui, il avait toute une série d'objets BD qui vont des livres de Töpffer, donc on est dans la BD au milieu du 19e siècle, jusqu'à des choses beaucoup plus avancées dans le 20e siècle. Tu parlais de Spirou, mais on peut aussi penser aux albums, aux revues du New Yorker, ou à toute une série de L'Épatant. Et on sait, par ses recherches dans la bibliothèque et par d'autres témoignages, que Picasso, par exemple, était un lecteur des Pieds Nickelés, ce qui, quand on regarde son œuvre, finalement, n'est pas si étonnant. Alors, tu te souviens aussi qu'il est dit que Fernande se plaint, parce que justement, quand ils sont en Espagne, elle prétend que les autorités espagnoles ne laissent pas passer les journaux américains, parce qu'elle prétend que tout ce qui est intéressant, en fait, ils ne les laissent pas passer. Et elle se plaint. Et d'ailleurs, ils s'étripent sur les comic books, puisqu'ils sont à un moment où ils vont se séparer. Et donc, chacun, comme des grands enfants, quoi, veulent lire en premier, effectivement, ces histoires américaines qui sont publiées dans des éditions européennes de. Dont Gertrude Stein est abonnée. Alors, on n'a pas gardé dans la bibliothèque Picasso les funnies américains qui étaient des denrées périssables ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Donc, on a profité d'un prêt du musée de la bande dessinée à Angoulême pour exposer des pages imprimées qui ont déjà une grande valeur de ces journaux-là. Et on a également cherché auprès de collectionneurs, des grands collectionneurs de bande dessinée français, comme Michel-Édouard Leclerc par exemple, des chefs-d'œuvre de ces années-là, de Rudolf Dirck, on a des planches originales de Little Nemo, de Crazy Cat de George Herriman. Donc c'est toute une galaxie comme ça qui est mise à jour. Donc c'est vrai que la bibliothèque de Picasso, je me rappelle quand on a été dans les archives, on se disait, mais parce que tout ça, c'est post-mortem.
Donc c'est vrai que puisque personne ne s'est intéressé au rapport entre Picasso et la bande dessinée, nous, ce dont on aurait rêvé, c'est de pouvoir l'interroger. Et je ne sais pas si tu te souviens, à un moment donné, on trouvait plein de revues espagnoles, Pulgarcito, Papitou, au début des années 30, si ma mémoire est bonne. Cacao. Alors, Papitou, c'est 1910, mais on a effectivement une concentration autour de 1933. On a une vitrine dans l'exposition qui est. Et tu disais, c'est peut-être que ce qu'il les avait achetés pour son fils Paul. Oui. Enfin, on en est réduit qu'à des suppositions. Oui, oui. Mais bon, les patents, il y a de fortes présomptions sur le fait qu'il en était un lecteur avide. C'est vrai. Alors, il y a un côté grotesque. On peut imaginer que Picasso était friand. Alors, les deux titres que tu as cités sont des titres importants dans l'histoire de la bande dessinée, Little Jimmy de Swinnerton et Cat Sonnemer Kids, traduit en français par Pim Pam Pum, qui a connu plusieurs auteurs, mais disons que l'inventeur en est Rudolf Dierks, et puis ensuite le repreneur Harold Knerr. Donc là, à cette époque-là aux États-Unis, on assiste à une guerre, notamment, entre deux grands manias de la presse nord-américaine, William Randolph Hearst, qui a donc... inspiré Orson Welles pour son film Citizen Kane, et Joseph Pulitzer, qui a donné son nom à un célèbre prix journalistique. Donc ces deux messieurs-là se tirent un peu la bourre pour débaucher les illustrateurs et les dessinateurs dans leurs journaux, qui ensuite connaissent des éditions secondaires dans tout le territoire nord-américain. Et c'est d'ailleurs pour ça que Pim Pam Pum, Cat Sonnemer Kids, a connu aussi une version sous le nom du Capitaine et des Enfants, Captain and the Kids, avec un autre dessinateur. Faut imaginer qu'à cette époque-là, donc, le cinéma, la radio, la photographie en sont à leur balbutiement. Donc, comme matière à divertissement, les journaux américains, tu l'as précisé, le dimanche publient une grande page en couleur, ce qui est extrêmement rare parce que c'est très onéreux. Et donc, on peut imaginer que dans ces grands tabloïds-là, qui sont derrière toi, Johan, les gens étaient quand même soufflés par la beauté des images, ils n'avaient pas l'habitude d'en voir par ailleurs. Tout au long de la semaine, des strips étaient publiés en noir et blanc, on en a quelques-uns ici, et le dimanche, les pages du dimanche, les fameuses Sunday Pages. Donc particulièrement sur Pim Pam Pum, il y a eu plusieurs théories, hypothèses, mais c'est vrai qu'on peut comprendre que Picasso en était friand, c'est un royaume aux antipodes, sur une petite île tropicale, surréaliste, où les gens sont un peu grossiers, comme ça. Alors on verra plus tard qu'il y a un auteur de bande dessinée qui s'est particulièrement inspiré de cet intérêt de Picasso pour Pim Pam Pum, pour imaginer une théorie à propos du portrait de Gertrude Stein. Mais on y reviendra. Bien, alors nous sommes ici dans la salle 4 de l'exposition Pablo Picasso et la bande dessinée, qui est principalement consacrée à Songes et mensonges de Franco. Alors, il y a également accroché au mur, derrière toi Johan, une suite d'images d'Art Spiegelman, qui est à ma connaissance le premier artiste de bande dessinée à s'être vraiment intéressé au rapport entre Picasso et la bande dessinée. Il faut savoir que Spiegelman, les questions de high et de low, de sous-reconnaissance de la bande dessinée par rapport à l'art contemporain l'ont toujours un peu énervé, sinon excité. Donc dans cette histoire de 1974, qui est parue dans un obscur comics, on disait comics COMIX, pour un petit peu ruer dans les brocards des comics qui normalement s'écrivent CS à la fin. Donc dans Short Order Comics, en 1974, il publie une histoire dans laquelle Picasso est un personnage de bande dessinée et qui est, à ma connaissance, la première reproduction dans le cadre d'une bande dessinée moderne de Guernica. Alors, qui plus est, Picasso s'amuse un petit peu avec ce chef-d'œuvre de toute catégorie de Pablo Picasso, puisque à l'époque, la bande dessinée américaine est encore soumise à la censure, donc il y a un Comic Code Authority, avec tout un tas de sujets qu'il ne faut pas traiter, dont la violence. Et évidemment, dans Songes et mensonges de Franco, la violence est omniprésente. Alors, dans cette grande œuvre de Picasso, gigantesque, Johan, tu me donneras les dimensions exactes, sont présentes tout un tas d'iconographies qui, c'est vrai, ont traversé les âges par rapport à la représentation de la violence et de l'atrocité totalitaire, puisque à cette époque, la guerre civile espagnole vient de débuter et que les avions de Franco bombardent sa propre population. Donc, par exemple, la question de l'ampoule dans ce sous-sol représenté, du cheval mort, des personnages agonisants, des femmes têtes renversées, sont vraiment des procédés iconologiques désormais utilisés
dans la bande dessinée et dans tout un tas d'autres moyens d'expression, mais notamment chez Black et Mortimer, dont on a ici isolé une planche extraite du piège diabolique dans laquelle Mortimer, le professeur Mortimer, avance dans le temps et se retrouve dans une rotonde où des révolutionnaires ont inscrit des graffitis et ont repris justement les images dont je vous parlais sur les murs. Alors tout ça est lié bien sûr à un autre chef-d'œuvre de Picasso, enfin tu as dit deux trois mots tout à l'heure, qui précède de peu Guernica et qui est Songe et mensonge de Franco. Oui, c'est ça. Alors autour de Guernica, il faut bien se rendre compte que c'est très vite en fait une icône, hein, une œuvre qui voyage, qui est reproduite, et que c'est aussi cela qui prépare et permet la reprise par les auteurs de bande dessinée de l'œuvre Guernica. C'est parce qu'elle est connue, oui, qu'elle peut être ensuite reprise, métamorphosée ou même parodiée. Hein, mais il y a d'abord cette reconnaissance première, voilà, cette diffusion qui sert de terrain en quelque sorte au jeu et aux reprises de la bande dessinée. Donc voilà, le piège diabolique est du début des années 60, donc on est même avant les planches de Spiegelman dont tu parlais, et déjà on a la présence de Guernica qui devient l'emblème d'un monde post-apocalyptique. Puisque Mortimer, comme tu l'as rappelé, pris au piège d'une machine à voyager dans le temps, le piège diabolique, se retrouve projeté de la préhistoire jusqu'à une époque très lointaine, mais dans l'avenir. Et là figurent effectivement des fragments de Guernica qui devient voilà, une sorte d'emblème, sans que Picasso ni Guernica d'ailleurs ne soient jamais nommés, mais c'est là. Hein, c'est là. Alors, Songe et mensonge de Franco, qu'on a derrière nous et que vous pouvez entrevoir, est un peu singulière dans l'œuvre de Picasso. Il s'agit de deux planches, de deux gravures de 1937, donc réalisées d'abord pour partie en janvier 1937 et terminées quelques mois plus tard en juin. Et on montre d'ailleurs des états intermédiaires de la gravure qui permettent de suivre la progression du travail de Picasso dans cette œuvre. Et alors le Songe et mensonge de Franco, qui était accompagné aussi d'un texte, d'un poème, une extrême violence, là aussi, avait été montré au pavillon de la République espagnole en même temps que Guernica. Donc c'est deux œuvres qui sont des œuvres presque jumelles, hein, et qui sont dont la genèse et l'histoire sont très liées. D'ailleurs, une partie des cases, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est donc un système où on voit sur chacune des planches 9 cases. Une partie des cases est très proche des esquisses, des études pour Guernica, avec des femmes mourantes, des chevaux à terre, des scènes de désastre de la guerre. On retrouve dans des bandes dessinées, hein, les bandes dessinées de José Muñoz, on voit comme ça justement ces éléments iconologiques. Hein. Dans la bande dessinée de Spiegelman, bien que l'entièreté de Guernica soit représentée, il y a aussi tout un tas de cases qui reprennent des motifs de Songe et mensonge. Et ce qui est encore plus amusant dans Et Sol Midget Détective, c'est que le début de l'histoire évoque les anecdotes que tu as rappelées de la correspondance ou des écrits de Gertrude Stein. Donc vous voyez, il y a comme ça dans toute l'exposition des passerelles, si on suit bien, des correspondances graphiques qui sont à l'œuvre. Et dans Songe et mensonge de Franco, alors là, c'est vrai que dans le milieu de la bande dessinée, je ne sais pas ce qu'il en était du côté de l'histoire de l'art, mais dans le milieu de la bande dessinée, c'est vrai que c'est une œuvre qu'on a très souvent associé à de la BD, peut-être à tort, à mon sens c'est moins de la bande dessinée qu'Histoire claire et simple de Mac Jacob ou que la série de 5 vignettes où Picasso monte à Paris avec son ami peintre. Mais enfin, par extension, il y a surtout un procédé qui est assez magique, c'est que Picasso rentre à l'intérieur de la tête du dictateur Franco. Et ça, c'est vraiment un système onirique qui d'ailleurs se retrouve aussi parfois dans la grande bande dessinée originelle Little Nemo, dont on présente certains originaux ici dans le cadre de l'exposition, c'est cette idée du rêve qui se compose ensuite d'images. Hein, bien sûr, les rêves sont difficilement parlants ou audibles, donc on rêve comme ça, avec des images, des successions qui ne sont pas forcément séquencées, mais des images fortes. Où là, évidemment, le dictateur Franco en prend plein la figure, mais enfin, c'est bien normal.
Oui, alors il faut peut-être rappeler d'ailleurs dans l'histoire de cette œuvre, au départ, l'idée de Picasso était de créer des cartes postales en soutien à la République espagnole qui se battait donc contre le franquisme. Et donc chacune des cases, en quelque sorte, était destinée dans ce projet initial à être autonome, hein, à la manière d'une carte postale éditée et vendue pour soutenir la cause. Mais à un moment du processus, Picasso change d'idée, il bifurque et il garde la coprésence de cet ensemble de cases pour constituer donc cette forme d'histoire, de songe, de rêve ou de cauchemar, puisque la violence de l'œuvre tient à la fois à ce personnage de Franco qui est une sorte de parent et de descendant de l'Ubu de Jarry, hein, ce personnage de dictateur bouffon et sanguinaire, et il y a plusieurs traits qui sont communs à l'Ubu de Jarry et au Franco de Picasso, mais la violence de l'œuvre tient à ces conflagrations, cette manière de rapprocher, de mettre en tension la bouffonnerie sanglante de Franco, qui est représentée chevauchant un cochon, sculptant une sorte de statue idéale, vêtue en femme avec une mantille. Et puis, de l'autre côté, on a ces visions de désastre de la guerre qui rappellent Goya et la genèse de Guernica, et qui viennent donc se mettre en tension comme une forme de réalité qui est rappelée juste au fantasme, hein, et au mensonge, à songe et mensonge de Franco. Donc la réalité, d'une certaine manière, rattrape et confronte le mensonge. Ce qui est édifiant aussi, c'est que c'est une réalité de 1937, et on en trouve encore des manifestations de nos jours, hein, le dictateur ubuesque, la femme caricaturée, enfin, en tant que, je pense par exemple au Moyen-Orient, ou même en Amérique du Nord. Enfin, moi j'ai trouvé que cette œuvre résonnait particulièrement aujourd'hui. Alors, je me souviens que quand on s'est posé la question de qui avait dessiné Picasso aussi sous la forme d'une caricature, on a immédiatement pensé au dessinateur de Charlie Hebdo, et on a été chercher donc dans les archives Rézer des dessins que Jean-Marc Rézer, qui à l'époque réalisait à peu près une couverture sur quatre de Charlie Hebdo, tellement il était bon, aurait pu réaliser cette année-là. Donc on a ressorti des dessins qui sont présentés dans l'exposition. Par exemple, on a là aussi un Français moyen qui semble n'avoir pas tellement bougé non plus depuis les années 70, avec un béret et une baguette, qui prétend que Picasso mangeait le pain des Français en faisant ses petits Mickey. Donc ça, oui, c'est une des dernières images de l'exposition. On sort avec cette image. Je pense que c'est une couverture auquel vous avez échappé, parce que Charlie Hebdo bouclait une nuit avec tous les dessinateurs autour d'une table de billard qui était recouverte d'une planche de contreplaqué, et le meilleur dessin finissait en une et les autres finissaient en quatrième de couverture de Charlie Hebdo. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Et c'était les couvertures auxquelles vous avez échappé. Mais Rézer a fait nombre de couvertures, et il a fait nombre de couvertures sur Franco aussi. C'était devenu un petit peu son obsession, parce que avant de mourir, enfin, Franco a mis beaucoup de temps à mourir. Et comme il noyautait les systèmes d'information, les bulletins de santé paraissaient qui disaient qu'il était toujours en forme. Donc Rézer, les dessinateurs de Charlie Hebdo se lamentaient du fait qu'il mette autant de temps à mourir. Finalement, il est mort. Il a fait la couverture de Charlie Hebdo. Franco va mieux. Il est allé au cimetière à pied. Il est dans son cercueil et puis il gambade comme ça. Et par une ironie de l'histoire, lorsque Rézer est mort, Charlie Hebdo a fait la même couverture. Rézer est mort. Il est allé au cimetière à pied. Alors on est ici dans la dernière salle de l'exposition qui s'intéresse à la fabrique du personnage Picasso dans la bande dessinée. Et c'est vrai que c'est aussi l'un des déclencheurs de ce projet d'exposition que de voir qu'il y a une actualité éditoriale depuis une quinzaine d'années avec des albums qui sont sortis sur Picasso, sur sa vie.
L'album de Nick Bertozzi, le salon, l'album de Clément Aubrery dans les années 2010, enfin les albums, plusieurs tomes, Pablo, et puis récemment l'album de Daniel Torres, Picasso s'en va en guerre, qui imagine une sorte d'histoire contrefactuelle, comme on dit, une histoire parallèle, où Picasso participerait à la guerre d'Espagne. On reviendra peut-être un peu plus en détail, ou en tout cas on évoquera chacun de ces albums. Donc il y a une véritable fabrique du personnage Picasso qui finalement, comme Guernica est devenu une icône très vite, Picasso lui aussi en fait a été l'un des premiers artistes et même homme public à être à ce point photographié, dont l'image est devenue à ce point connue, diffusée dans les revues, les magazines de l'époque. Il y avait d'une certaine manière, dans les années 60, Brigitte Bardot et Picasso, hein, qui ont les premiers étrenné cette sorte de mise sur la place publique des images privées. Et donc Picasso est devenu très reconnaissable. Évidemment, il y a La Marinière, et donc les auteurs de bande dessinée se sont emparés de ce personnage et lui ont inventé des vies. En ont fait le portrait, et c'est vrai que s'il y a une forme d'accélération de cette fabrique du personnage depuis les années 2000, disons, on a des exemples plus anciens, et on remonte en particulier dans les années 40-50 avec quelques dessins de Maurice Henry, et puis un objet qui est assez étrange et intriguant, une bande dessinée parue dans les années 50, la vie imagée de Pablo Picasso, donc quelques dessins, quelques vignettes comme ça superposées en colonnes, avec des textes qui racontent la vie de Picasso, et le scénario est signé André Breton et Benjamin Perret, donc deux grands écrivains, deux grands poètes du surréalisme qui se sont donc aussi emparés de la bande dessinée, quelque sorte, pour raconter la vie de Picasso. Mais peut-être que tu peux nous dire un mot sur ces albums là, qui sont sortis depuis quelques années, ouais. Peut-être Clément Aubrery ou... Alors, écoute, tu l'as rappelé, c'est vrai qu'auparavant, la bande dessinée agissait quand même dans un cadre relativement strict. Elle était destinée majoritairement aux enfants et s'appropriait peu les sujets sérieux et ne faisait pas ou peu... Bon, il y en a eu dans Spirou, hein, la vie extraordinaire, la vie exemplaire de Don Bosco, par exemple, qui avait une vocation un peu propagandiste. Mais c'est vrai que cet album de Clément Aubrery et Julie Birman, donc cette série d'albums, a posé quelque chose d'assez nouveau dans le cadre de la biographie en bande dessinée. Auparavant, tu l'as rappelé, Picasso, c'est quand même, si on fait un petit retour en arrière, enfin en tout cas même encore aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la figure ultime de l'artiste total, quoi. Si on réfléchit un petit peu, si on prend un personnage artiste pour s'en moquer, c'est difficile de faire l'impasse sur Picasso, d'autant que son esthétique a quand même porté à controverse tout au long de ses activités. Donc ces personnages déformés, etc., c'est vraiment du pain béni pour la caricature. Alors tu l'as rappelé, c'est du pain béni aussi en tant que personnage de BD. Je vois là la caricature que Maurice Henry en fait là, avec sa mèche. Là, tu as rappelé, Johan, le principe de la marinière. Bon, c'est vrai qu'en bande dessinée, comme les auteurs répètent les personnages de case en case, une des difficultés, c'est qu'on les reconnaisse, surtout quand il y a plein de personnages. Donc la marinière de Picasso agit comme telle. Si vous voulez un exemple un peu plus remarquable et connu, durant les 50 et quelques activités que Charles Schulz a produit dans la bande dessinée, son personnage de Charlie Brown est invariablement vêtu d'un pull jacquard. Donc tout ça, c'est des codes iconographiques qui sont bien utiles pour la bande dessinée. Alors, il y a moi une bande dessinée qui m'a vraiment interpellé au fil de nos pérégrinations de commissaires, c'est, je vous parlais tout à l'heure de Passerelle, c'est cette bande dessinée donc, que tu as citée, qui s'appelle Le Salon de Nick Bertozzi, qui a été publié en France par Cambourakis. Donc, cette bande dessinée agit à la même période que Pablo, c'est-à-dire dans les années 1900, mais elle va un petit peu plus loin sur les rapports entre Picasso et la bande dessinée que Pablo, qui ne le traite pas. Particulièrement, ces histoires qu'on vous a rappelées, de la lecture de Katzenheimer Kids, Pim Pam Poum,
Bon, ils boivent de l'absinthe, ils font des virées nocturnes dans Paris. C'est vraiment une bande dessinée intéressante. Et dans le cadre de cette bande dessinée, mais je pense que tu vas me contredire, une hypothèse est envisagée sur la question du portrait de Gertrude Stein, que Picasso a terminé en 1906. Alors, dans l'histoire de l'art, il est convenu de dire qu'il a eu beaucoup de mal à terminer cette peinture et qu'il aurait fait, je crois, 90 séances avec Gertrude Stein. Et Nick Bertozzi. C'est exagéré, mais c'est ce que dit Gertrude Stein. Ouais. Ouais. Et en tout cas, Nick Bertozzi, lui, il prétend que la solution des yeux de Gertrude Stein dans ce portrait était dans Pim Pam Poum. C'est vrai que l'expressivité, là encore, dans la bande dessinée, est une vertu importante. Donc c'est vrai qu'il faut que les yeux soient assez simples et en même temps très expressifs. Mais enfin, ce n'est pas tout à fait l'hypothèse qui a été retenue, oui, je crois. Oui, bon, l'hypothèse. Qui est principal, disons, c'est que Picasso s'inspire plutôt de la sculpture et de la statuaire ibérique à son retour à Gozol, et que c'est là plutôt qu'il a puisé ses traits extrêmement schématiques, simplifiés, qui donnent effectivement la dernière, le masque en quelque sorte de Gertrude Stein. Est-ce que les chercheurs connaissaient l'intérêt de Picasso pour la bande dessinée? Peut-être que ça a été sous-estimé, mais ça permet de dire une chose, c'est que c'est vrai que ce que permet de voir l'exposition, c'est aussi la place de la bande dessinée parmi les sources visuelles de Picasso. C'est vrai que on sait que Picasso se rendait au Louvre, on connaît son intérêt pour Ingres, par exemple, évidemment pour Cézanne, qu'il allait dans les galeries. Mais Picasso s'est nourri de tout ce que le monde des images, le peuple des images, lui offrait, en quelque sorte. Et la décalcomanie, les affiches, les pancartes, les images enfantines, les manuels d'amateurs, le bricolage, etc. Tout ça fournissait en quelque sorte une matière. Alors, est-ce que je peux parler d'influence? Peut-être que le mot est un peu galvaudé, mais en tout cas, c'était une sorte de terreau dans lequel est venu s'enraciner l'œuvre de Picasso, qui probablement puisait aussi à de multiples sources en même temps pour créer son œuvre. Mais c'est un point important, et j'aime bien la formule de Michel Léris, qui donne le titre à un de ses textes sur Picasso, Picasso, génie sans piédestal. Et d'une certaine manière, c'est ça aussi que montre cette exposition, c'est comment Picasso n'a cessé de se confronter, de se frotter à la réalité sans regarder aux hiérarchies, aux codes, aux convenances. Et comment, d'une certaine manière, il est d'emblée, de plein pied avec la bande dessinée, et comment il partage en quelque sorte quelque chose avec cette bande dessinée naissante. Et on va d'ailleurs regarder peut-être cela plus avant pour montrer quels sont les points de contact, notamment à travers le dessin et la technique du dessin, entre Picasso et la bande dessinée. Peut-on comparer les planches de bande dessinée et les œuvres de Picasso? Bon, peut-être que ce n'est pas la bonne porte d'entrée, puisqu'on entend immédiatement dans cette idée de comparaison, peut-être une idée d'évaluation et de jugement de valeur. Or, je pense qu'il faut quand même rappeler qu'il y a des fonctions qui sont différentes entre les planches de bande dessinée, des lieux, des spectateurs, etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'on a rappelé ces différences, peut-être qu'on ne veut pas du tout estomper. Il y a néanmoins un terrain commun entre Picasso et les auteurs de bande dessinée. Peut-être pris d'un bloc, c'est peut-être un peu étrange, mais en tout cas, c'est cette pratique du dessin. Et même au-delà, je dirais, on voit dans les planches de Spiegelman une forme de bricolage avec l'image. Il y a des collages, il y a une utilisation de différentes couches. Enfin, il y a toute une, non seulement le trait, l'encre, etc., mais une sorte de travail de bricoleur avec les images, dans laquelle, enfin, cette forme de bricolage, Picasso a
a excellé. Hein. C'était un dessinateur prodigieux, extrêmement varié dans ses styles. Et on a des dessins dans l'exposition dont on pourrait penser que ce sont des dessins de Sempé. Ouais, ou de Johann Sfar. Ou de Sfar, voilà. Bon. Par ailleurs, on a des dessins qui semblent immédiatement picassiens. Mais il y a une grande, grande variété de Picasso dessinateurs qu'on retrouve dans l'exposition et qui nous permet aussi de faire écho à l'immense variété aussi du dessin chez les auteurs de bande dessinée. Alors peut-être que le moment où ce qui nous a servi de support à cette idée de comparer les dessins de Picasso et les dessins des auteurs de bande dessinée, c'est la possibilité de les voir au travail, de voir le dessin en train de se faire, de voir la forme en train de naître. Et le rapprochement qu'on fait dans l'exposition entre Le Mystère Picasso, qui est un grand film, c'est pas le seul, mais un des grands films où on voit Picasso au travail, on est en 1955, et par un procédé technique particulier, un feutre qui vient d'être inventé, qui permet de pénétrer le papier, qui est un papier choisi aussi spécifiquement par Picasso pour qu'on puisse voir à travers. Enfin, il y a toute une série il y a un dispositif technique qui permet à Clouzot de filmer le dessin en train de se faire. Et de l'autre côté, on a cette émission Tac au Tac, qui est une émission de la fin des années 60, début des années 70, de la télévision française, où on voit aussi les dessinateurs de bande dessinée parmi les plus connus et les meilleurs de leur génération. Il y a Uderzo, il y a Franquin, il y a Guido Crépax, aussi dans l'exposition, qui participe à cette émission, où on les voit en train de dessiner, et là aussi le dessin dans une forme d'improvisation aussi, qui rappelle aussi l'acte d'interprétation d'un musicien de jazz, une forme d'improvisation qui mène à l'aboutissement du dessin. Mais c'était mieux cette émission. C'était des contraintes issues des contraintes inventées par les surréalistes. Et puis d'autres contraintes qui sont plus connues, qu'on peut pratiquer comme le cadavre exquis avec ses enfants ou ensemble. Enfin bon. Alors il y a une autre petite passerelle là ou correspondance. Je ne sais pas si tu te rappelles, Johan, quand on s'est aperçu que Picasso, dans un reportage publié par Paris Match en 1966, avait réinterprété Hergé le système du mystère Picasso. Alors là, à l'époque, Hergé dessine devant un plexiglas. Ce reportage a notamment fait la couverture du livre de Pierre Assouline, La grande biographie d'Hergé. Donc on a là aussi recherché des tirages photographiques, refait des tirages photographiques de ce reportage qui dialogue avec Pablo Picasso. Bon, Picasso devait aussi intervenir dans la dernière grande œuvre de Hergé, inachevée, Tintin et l'Alphard, qui prenait racine sur l'histoire de Fernand Legros, le fameux faussaire. On a également aussi là, sur la question du dessin et du crayonné, un très beau crayonné d'Hergé, issu des premières pages de Vol 714 pour Sidney, où le milliardaire Caredas assiste par téléphone à une vente aux enchères. En fait, tous les grands noms de l'art moderne sont là, mais en fait, il s'en fiche, il dit qu'il a déjà plein de Picasso. Puis quand il y a un de ses rivaux industriels qui s'apprête à les acheter, maintenant il veut tout acheter. Bon, il y a des petites correspondances également de ce côté-là. Mais c'est vrai que... Deux planches de Quick et Flip aussi, ah oui, qu'on est sur Hergé, qui sont particulièrement chères. C'est un rêve de millionnaire. Flipke se met à rêver qu'il a gagné à la loterie. Il y a des Picasso au mur. Et il a une voiture de millionnaire interminable, une rangée de domestiques interminable, et puis une galerie de peinture dans laquelle on voit... Donc on est en 1934, donc assez tôt dans l'histoire qu'on essaye de raconter dans cette exposition, une galerie de peinture, on a un Rubens, donc Flupke peint par Rubens, ce qui est totalement anachronique évidemment, un Rodin, une statue de Flupke par Rodin, et puis dans un coin en haut à gauche de l'image, un Flupke par Picasso, et on a la signature Picasso à la manière de Picasso, un Picasso par Hergé. Et c'est aussi l'une des dernières images quand on sort de l'exposition. Et elle est particulièrement... Et on a aussi une œuvre issue de la participation de Gottlieb à l'émission Tac au Tac, dont tu parlais tout à l'heure. Là. On a donc une œuvre collective de Dali, Buffet
Picasso et Reiser, signé par Dali, Picasso, Reiser et Gottlieb. Et Picasso, Bernard Buffet, Dali et Reiser, qui leur fait un bras d'honneur. Donc, si on revient à la question de cette émission, Tac au Tac, qui est une émission remarquable, hein, dont on peut retrouver certains épisodes sur le site de l'INA. Donc, c'est une émission effectivement qui a été produite par Jean Frappa, qui était un pionnier de l'ERTF à l'époque, une émission dont le dispositif était particulièrement étudié. Si on voit la télévision aujourd'hui, c'est sûr qu'on se dit, bon, bah, il pouvait faire des choses à la fin des années 60, notamment au niveau du son. Mais effectivement, il faisait intervenir de grands dessinateurs, souvent c'était muet, sur le principe de la contrainte. Donc, dans la planche qui se trouve derrière nous, Tac au Tac s'anoblit, Gottlieb fait intervenir les trois grands artistes que je vous ai cités et Jean-Marc Reiser sur le principe du cadavre exquis. Sauf que le problème, c'est que les grands artistes se haussent un peu du col. Dali, dans un geste génial, prétendument génial, crache de l'encre noire sur le grand tableau blanc où Picasso et Buffet sont déjà intervenus. Enfin bref, ils finissent par s'étriper, par se bagarrer, etc. Et à la fin, Reiser, comme un pied de nez ultime, fait un bras d'honneur en signant avec son petit personnage à l'époque de La vie des bêtes pour terminer cette admirable planche donc, qui est à l'exposition et qu'on doit à la gentillesse notamment des ayants droit Gottlieb et de Michel Lioré. Oui, l'émission n'a jamais eu lieu. Hein. Émission-là, non. Mais Gottlieb était un invité récurrent de Tac au Tac. Mais donc, il imagine la participation de Picasso à cette émission. Est-ce qu'il adviendrait cette participation dans une forme d'anoblissement. C'est rigolo aussi. Hein. Oui. C'est que tout d'un coup, avec la prétendue présence de ces grands artistes, la rubrique à braque s'anoblit. Oui, c'est ça. On a la descente, en quelque sorte, de Picasso dans l'arène de la société du spectacle. Voilà, du spectacle. Donc c'est aussi ces enjeux-là qui sont particulièrement intéressants dans cette planche et dans cette salle qui montre donc. On a parlé de beaucoup de choses, mais il faut quand même citer Manara, Guido Crepax. Et puis autour du mystère Picasso, toute une installation de Philippe Dupuis qu'on n'a pas cité mais qui intervient à plusieurs reprises dans l'exposition. On a notamment une machine pré-cinématographique en quelque sorte qui met en mouvement les planches et qui permet de les lire comme ça dans une sorte de défilement. Et puis Philippe Dupuis s'est beaucoup intéressé au mystère Picasso et on montre aussi son travail sur verre, les collages, techniques mixtes aussi qui rendent hommage au film de Clouzot et évidemment à l'œuvre de Picasso. Donc hommage d'un côté, irrévérence de l'autre, hommage irrévérencieux chez Gottlieb, enfin toutes ces nuances, on va dire, du regard porté par les auteurs de bande dessinée sur Picasso sont représentées dans l'exposition. Il y a cette conférence inaugurale consacrée à l'exposition Picasso et la bande dessinée présenté au Musée National Picasso Paris, touche à sa fin. Je voulais la terminer avec un sentiment personnel, après tous ces mois de travail parfois rocambolesque, attaché à réunir toutes ces pièces et à en fait raconter une histoire. J'ai l'impression que les rapports de production ont été un peu à l'œuvre entre nous pour parvenir à cet accrochage, c'est-à-dire qu'on a finalement voulu, quelque part, raconter une histoire avec un récit, un propos et des images, un petit peu comme une bande dessinée. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que souvent, quand on travaille en amont, on travaille sur des écrans, on voit des images sur des écrans, on se dit que, bon, effectivement, on atteindra la quintessence quand on aura obtenu tous les originaux de bande dessinée ou les dessins ou les pièces de Pablo Picasso quand même admirables qu'on souhaitait, ce qui est pratiquement arrivé dans la majeure partie des cas. Il y a peu de choses qui nous ont échappé, donc c'est vraiment une grande satisfaction de ma part. Et alors, il y a quelque chose quand même qu'on ne peut pas anticiper, c'est l'extrême force des œuvres de Pablo Picasso. Hein, moi, je les voyais dans mon écran, je voyais à côté un Guéluque, je me dis bon, c'est vrai, une caricature de Philippe Guéluque avec le chat à côté d'un chef-d'œuvre de Picasso. Là,
Alors c'est vrai que tout est remonté par la force visuelle des Picasso. Tout d'un coup, on tourne la tête, on voit une peinture de Picasso et c'est quand même carrément dément. Et grâce aux apports de la bande dessinée et du récit, on découvre toute une nouvelle histoire qui, encore une fois, n'avait jamais été explorée. On souhaite d'ailleurs qu'elle le soit à nouveau. Et moi, je trouve que c'est ça qui a été le plus satisfaisant dans le travail qu'on a fait ensemble. Et donc, je vous encourage évidemment à venir dans cette exposition pour vous coller le nez sur les tableaux de Picasso et sur les originaux de bande dessinée. Je rappelle que ce n'était pas fait pour ça, à la base. Les planches de bande dessinée, on l'a invoqué un peu au tout début de notre conférence, mais était destiné à être publié dans le cadre d'un livre. Franquin disait les originaux de bande dessinée à l'imprimerie, on marche dessus. Ben non, là, les originaux de bande dessinée, ils sont au Musée National Picasso Paris, à côté d'œuvres de Pablo Picasso, parfois même juxtaposées derrière nous. Et je crois que les deux travaux se rehaussent, les deux moyens d'expression se rehaussent. Et comme tu l'as dit fort justement, il n'y a pas de haut ni de bas. Il y a des artistes qui s'expriment et c'est ça qui est très réjouissant. Oui, bah, je ne sais pas, je crois que tu as dit l'essentiel. C'est vrai que le musée a voulu mettre de plein pied Picasso et la bande dessinée, créer ses rapprochements, ses voisinages, qui provoquent aussi des chocs visuels, comme tu l'as rappelé. Et donc, je pense que en cette période où beaucoup de choses passent par l'image et vous-même, et notre conférence en est le symptôme, vous nous voyez à travers un écran, je pense qu'il est important de revenir au musée pour pouvoir connaître le choc des images, le saisissement, la manière dont le spectateur, bien souvent, se trouve terrassé par l'œuvre de Picasso. Donc je vous invite à venir à cette exposition, Picasso et la bande dessinée, qui est ouverte jusqu'au 3 janvier 2021. Et je vous invite aussi écouter, assister à la prochaine conférence inaugurale qui sera consacrée à l'exposition Picasso poète et qui sera diffusée en ligne le 20 octobre prochain. Et vous aurez ainsi un panorama complet de la programmation au Musée National Picasso Paris. Picasso et la bande dessinée, Picasso poète, choc thermique là encore, qui vous attend.